hyper puissant bain de purification de déblocage. Tu fais toutes les astuces, les recettes qu'on donne, mais ça ne marche pas. Les choses sont de plus en plus dures dans ta vie. Tu ne te retrouves même pas dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu sens que ton aura est souillée. Tu fais des déblocages, ça ne marche pas. Toujours rien. Tu es bloqué dans tous les domaines. La malchance règne sur toi. Pas de chance en amour, tout comme dans les relations amoureuses. Alors, voilà ton terminus. Un bain de purification bien dosé. Si après ce bain, tu ne te retrouves pas, tu n'as pas de résultat, alors il faut savoir que c'est seulement Dieu qui va te guérir. Il suffit juste de me chercher 5 citrons. Ici, nous en avons 4. 5 citrons. Ici, nous en avons 4. Et très tôt le matin, sans parler à quelqu'un, tu découpes les 5 citrons dans un seau d'eau. Et tu vas ajouter les peaux. Tu vas ajouter les peaux. Tu coupes les citrons et puis tu presses le jus de citron et tu ajoutes la peau. Alors tu remplis le seau à moitié d'eau et tu poses ta main droite sur le seau. Puis, tu lis le Fatiha. Si tu es musulman, le Fatiha 7 fois. La sourate 113 et la sourate 114 11 fois. Je dis bien le Fatiha 7 fois. La sourate 113 et 114 11 fois. Si tu es musulman, si tu es chrétien, tu me lis le psaume 21, le psaume 34, le psaume 91. Et après cela, tu fais une croix sur l'eau. Alors, les bons chrétiens, tu n'es ni musulman, tu n'es ni chrétien, pose juste ta main sur le seau d'eau et fais le vœu de prière. Laisse cette eau dans un endroit calme et humide. Et le soir au coucher, prends ton bain avec cette eau, sans savon ni éponge. Les femmes doivent répéter ce bain pendant 4 jours et 3 jours pour les hommes. Alors, à chaque fois, c'est-à-dire à chaque jour que vous voulez reprendre le bain, il vous faut à nouveau 5 citrons jusqu'à la fin du bain. C'est très important. Après ce bain de purification, vous-même, vous allez venir témoigner. Tu vois, pour ça, Ahmed Akile, au plus de 229, 96, 69, 60, 42. Faites-le et venez témoigner. Soyez bénis. Abonnez-vous, partagez, likez, mettez ça en favori, c'est très important.